رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن العزيز وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسم والبيانات نذكر من أهمها بيانا يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع البيئة والتنمية المستدامة للفترة 2009-2018 وآفاقه وهو ما سيكون موضوع تدخل معالي وزير البيئة والتنمية المستدامة حول موضوع مضمون هذا البيان بعد ذلك سأعود إليكم معالي الوزير Merci. Une fois encore, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de la communication de presse relative à la communication en conseil des ministres comme mon département, le ministre de l'Environnement et de Pantérable, a eu à présenter ce matin lors de la séance du conseil des ministres. Donc, lors de la séance du conseil des ministres, le département a présenté... Et le bilan de la synthèse de réalisation entre, entre dans le secteur pour la période 2009 euh, jusqu'à 2018 et les perspectives. Donc, vous le savez, il s'agit d'une période décennale à cheval entre la stratégie nationale de l'environnement de, de et du développement durable, qui est en train d'être mise en œuvre depuis 2010, 2007 jusqu'à 2016, et ensuite la deuxième stratégie qui couvre la période 2017-2030. Donc le ministre de l'environnement et de l'environnement durable a élaboré ce document pour permettre au conseil d'apprécier les importantes réalisations dans le domaine et conformément aux engagements de son excellence monsieur le président de la République. Donc ce document bilan s'articule autour de principaux axes suivants. Premièrement, les politiques stratégies, plans d'action et rapports nationaux qui ont été élaborés. Ensuite, le cadre réglementaire institutionnel. Ensuite, les infrastructures, de renforcement des capacités, formation, création d'emplois et gestion des connaissances. Le point 4, suivi, évaluation, contrôle et gouvernance environnementale. Ensuite, la gestion des déchets et les produits chimiques et la lutte contre les pollutions. Sixièmement, action opérationnelle et mise en œuvre de différentes conventions internationales au niveau bilatéral et au niveau international. Et ensuite, les perspectives. Donc pour les politiques et les stratégies, comme vous le savez, le département de l'environnement euh, a eu à participer à plusieurs conférences, notamment euh, Rio 92 et 2012, Johannesburg en 2002, Copenhague en 2009, Durban en 2011, New York en 2015 et 2016, Paris en 2015, Marrakech en 2016, Bonn en 2017 et Katowice en 2018. Donc lors de ces rencontres, notre pays, comme tous les pays du monde, a eu à ratifier des conventions international, au niveau bilatéral et au niveau multilatéral. Donc pendant la, cette période maintenant de 2009 à 2018, il fallait que nous continuions à assurer la mise en œuvre de ces conventions. Donc pour ce qui est du cadre réglementaire et institutionnel, donc plusieurs conventions ont été signées au niveau régional et au niveau international. Donc il y a eu la signature de cinq conventions internationales et accords internationaux entre 2009 et 2018. La signature de 12 accords bilatéraux entre 2009 et 2018, les différentes lois promulguées au niveau na national. Il y a aussi la prolongation de 6 lois entre 2009 et 2018. Pour ce qui est des décrets, nous avons eh, présenté au Conseil 12 décrets entre 2012, 2009 et 2018 et 6 arrêtés ministériels qui ont été signés dans le cadre de l'organisation du département. Pour les infrastructures, maintenant, le renforcement des capacités, la formation, création d'emplois et gestion des connaissances, comme vous le savez, au niveau des infrastructures et équipements du département, il y a eu la réhabilitation ré 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 du de, 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 de siège lui-même, euh, qui a connu l'augmentation de 24 bureaux, l'aménagement des parkings et autres espaces au niveau de, du siège. Il y a eu l'équipement de tous les bureaux en 2016, réhabilitation des délégations régionales de Noxot, -régional de, de Lasaba et du guide L'acquisition de 75 véhicules de tout terrain, il y a aussi des Unimog et des équipements de lutte anti-incendie. Donc 75 véhicules qui ont été financés à travers les partenariats que nous avons avec les partenaires financiers. Installation de 5 stations météo-automatiques météo au niveau des observatoires de Nouakchot, de Boutrimite et Derkis. Construction et réhabilitation de 12 km linéaires de digues, des enclavements au niveau de parc national de Jiaouling dans le cadre de la conservation de la biodiversité au niveau du de bas delta. Construction des infrastructures et équipements du parc national de Jauling pour ce qui est de, de, de ces infrastructures hydrogéologiques. Donc, il fallait les renouveler à, à, à travers la coopération avec l'Allemagne. La, donc, construction, renouvellement et renforcement des de, de, de réseaux hydro hydrauliques et hydrogéologiques. Mise en place des équipements d'une station forestière au niveau du PK17. Comme vous le savez, euh, la station forestière qui était à tunso euh, et maintenant dans la ville, nous, nous avons décidé de déplacer ces sites au niveau du PK17. Donc en matière de renforcement des capacités et élaboration de plus de documents euh, au niveau national, euh, des rapports, des études, euh, des de, de campagnes de sensibilisation, des préparations, des participations de notre pays aux différentes conférences et la formation et la préparation des acteurs nationaux. Euh, sur les différents thèmes, notamment le changement climatique, la lutte contre la désertification, la conservation de la biodiversité, l'ensemble de conventions connues avec le monde. Donc en matière de formation, il y a eu plusieurs formations qui ont été initiées par le département. Ces cycles de formation ont été réalisés au profit de 106 cadres et techniciens forestiers en matière de lutte contre la désertification et de fixation du dunes et de la gestion forestière. Il y a eu la formation de 21 diplômés chômeurs au niveau du centre de formation euh, professionnelle de Nouakchott, et formation de 31 diplômés chômeurs en 2012 au niveau du lycée agricole de Bogué et formation diplômante à l'extérieur pour quatre cadres euh, du département dans le cadre de la coopération avec euh, la société Tilo-Wal, et plusieurs formations euh, qui ont été organisées au niveau euh, de, de, du pays et à l'extérieur du pays. Et là, je précise qu'à <coughs> travers le partenariat que nous avons avec euh, l'université Gaston berger et l'université de Noxot, nous avons instauré la formation Master Guide qui a eu à renforcer la capacité du personnel du ministère. Donc, création d'emplois, recrutement de 53 diplômés chômeurs répartis entre les différentes structures du département, création d'emplois pour 311 cadres et agents dans les différents programmes et projets tels que le programme spécial de la ville de Noxot, le projet PARSAC, le projet adaptation au changement climatique des villes côtières, le, 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 le PNA, c'est-à-dire le protection de et le partenariat de Jauling. Donc, d'autres formations ont été bien sûr et, et assurées. Et pour ce qui est de l'emploi, la création de plus de 500 emplois, dont 259 emplois permanents à travers la création de l'agenda de la Grammaire verte et le parc national daoué et 241 emplois non permanents à travers les différents projets que nous avons au niveau du ministère, que nous, exerçons, en fait, que nous exécutons avec le Parti financier, notamment le projet PARSAC, le projet DIMS, le projet PGDP, le projet WACA. Et adaptation au changement climatique et adaptation au changement climatique dans les milieux ruraux. Donc, tous ces projets ont été financés à travers le fonds FEM, sinon à travers des financements que nous avons obtenus avec les parties techniques et financiers. En matière de gestion des connaissances, il y a beaucoup de documents, de documents aussi qui ont été élaborés et qui sont en relation avec euh, l'environnement et le développement durable, notamment élaboration et diffusion de plusieurs documents de gestion des connaissances, élaboration de rapports nationaux du profil national en 2010 sur la gestion des déchets solides dans le cadre du réseau Supnet, conduite de la revue institutionnelle du secteur de l'environnement qui a, qui a eu lieu en 2011 et qui nous a permis de connaître les renforcements enfin les, les différents défis et les différentes opportunités qui se présentent au niveau de, de l'environnement, conduite de plusieurs études en relation avec les différentes thématiques de l'environnement, que ce soit la désertification, le changement climatique, l'érosion côtière et, et la conservation de la biodiversité élaboration de plusieurs rapports nationaux relatifs à la mise en œuvre des conventions internationales et en matière de suivi -évaluation et d'évaluation maintenant du contrôle et de la gouvernance environnementale qui est une thématique très importante dans le cadre des missions du de, de, de département et pour le secteur de pêche nous avons mené 71 avis de faisabilité dans la validation de 111 études d'impact environnemental et 71 journées de consultation du public et 142 missions d'enquête publique pour le secteur mine exploration minière et carrière, nous avons mené 145 avis de faisabilité pour la validation de 135 études d'impact environnemental. Et 165 journées de consultation au public et 330 missions d'enquête publique. Pour les projets d'infrastructure et de l'industrie, 66 avis de faisabilité pour la validation de 106 études d'impact environnemental. Et 66 journées de consultation au public et 132 missions d'enquête publique. Donc, pour le secteur de l'élevage, de l'agriculture et de la protection de la nature, là, il s'agit des projets qui sont en train d'être menés au niveau de l'intérieur du pays en collaboration avec les partenaires financiers. Il s'agit, par exemple, du projet PRAPS. On a fait une mission d'évaluation pour les sites qui sont ciblés. Les PGDP, c'est-à-dire le projet de Gestion durable des de de, 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 de Paysages. Il y a aussi le PARIS et le Waka concernant le renforcement et le reboisement du coordonnateur de Nouakchott pour renforcer le coordonnateur et protéger la ville de Nouakchott contre les inondations marines. Pour le secteur du pétrole, avis de faisabilité pour la validation de 49 études d'impact environnemental, 49 journées de consultation et du public et 98 missions d'enquête publique. Maintenant, suivi des activités de transport des produits chimiques. Donc, à travers eh, cette activité, nous avons mené eh, le transport de sciences de la société TASIAS avec euh, la société Chejoko et la société Scomat pour toutes les autres substances chimiques. Donc, nous, ça nous a permis de cadrer un peu l'importation des produits chimiques qui sont causés comme étant des, des substances très dangereuses pour le pour les pays. Pour le contrôle de conformité environnementale, plus de 100 missions de contrôle ont été effectuées. Et les principaux secteurs concernés par ces missions sont les pêches, les mines, carrières, infrastructures, industries, élevage, agriculture, pétrole et produits chimiques. Maintenant, pour la gestion des déchets, produits chimiques et lutte contre les pollutions. Comme vous le savez, dans le cadre de cette gestion des déchets et produits chimiques et lutte contre les polluants, le département a assuré le suivi et la coordination des opérations relatives à l'exportation et traitement de 3076 tonnes de déchets d'activité pétrolières provenant essentiellement de la plateforme de Singiti, c'est-à-dire dans le cadre de l'activité pétrolière dont 2676 ont été exportés vers la France et dont l'exportation a été bien suivie par le département et dans des conditions standards, en collaboration avec la société SEPCO. 400 tonnes contenant des normes, c'est-à-dire des, des éléments radioactifs, ont été exportées vers la Grande-Bretagne. 12 000 tonnes d'huile usée vers la, le Ghana et l'Espagne. 16 000 tonnes de résidus d'hydrocarbures d'huile usée vers l'Espagne. 12 000 tonnes d'huile de, de fond de calme. Usagés ont été exportés. Et 40 tonnes d'huile polychloro-biphénile, c'est-à-dire qu'on appelle les PCB, qui étaient dans des matériaux utilisés par la Somerac, ont été aussi éliminés. Et 900 ton, 920 tonnes de cyanide de sodium qui était stockées par la société MSM depuis l'arrêt de son activité a été exportée vers la Turquie. Et 50 tonnes de sachets plastiques a, ont été saisis et sont disponibles actuellement dans un magasin. Et d'ici quelques temps, on va chercher à trouver des solutions pour les éliminer parce qu'il n'y a pas de texte en la matière. Mais bientôt, il y aura un arrêté du Premier ministre qui va nous permettre d'éliminer ces sachets plastiques. Pour la conservation de la biodiversité, la Mauritanie, dans le cadre de ses engagements en matière de conservation de la biodiversité, est l'un des pays les plus dotés au niveau de la sous-région des zones des, 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 des marines protégées. Donc, dans ce cadre, il y a eu la poursuite des missions du Parc-National du Bandarguin, qui était avant sous-traité du ministère de l'Environnement, mais qui est aujourd'hui sous-traité du ministre du Gouvernement. Et sa superficie est de 12 millions d'hectares. Et pour ce qui est de Jaoling, c'est 56 000 hectares. Donc vous comprenez avec moi l'importance de ces heures protégées au niveau de la sous-région. Et élaboration du plan d'aménagement et de gestion pour la période 2013 et 2017 et pour la période 2018-2022 du Parc-National de Jaouling. Et nous avons aussi assuré le renforcement des équipements, des mesures de conservation et de restauration de la biodiversité à travers les activités de ces deux parcs et la création du parc national qui est dont les travaux sont en cours, la mise en place d'un système de monitoring à travers le projet BGP, c'est-à-dire le projet bio, euh, Biodiversité Gaz et Pétrole, qui nous permet de suivre le milieu marin euh, quand il y a des activités d'exploitation pétrolière ou des carrières restauration écologique des écosystèmes. Grâce à des activités de restauration, c'est-à-dire de la mangrove, au niveau de Djauling aussi. Donc, pour les actions opérationnelles, là encore, des, des, des efforts énormes ont été faits à travers des différents projets, par exemple le projet Parsac, qui a eu à faire de la production des plantations et la plantation euh, mécanique et biologique au niveau de huit wilayas, euh, qui sont les Gidimaha, et le Gidi Maha, le Traza, le Brakna, le Dohod, la Saba, le Tagan. Et le Gorgor. Ensuite, il y a aussi des réserves pastorales qui ont été réalisés, 25 réserves pastorales, et, totalisant 1000 hectares, et plusieurs actions de conservation des eaux, de, de restauration des terres, de création de plusieurs activités génératrices de revenus, par exemple euh, des moulins qui ont été donnés à des populations, des activités maraîchères, donc euh, des activités qui consistent à récupérer des animaux qu'on appelle euh, des activités de d'engraissage de, 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 des animaux pour le permettre à la coopératives de les, de, 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 de les vendre après. Donc d'autres activités, bien sûr, d'activités de gestion de, de, de revenus ont été aussi menées. Dans le cadre maintenant du projet qu'on appelle le projet DIMS, donc c'est un projet qui, 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 qui a démarré en 2018 et qui continue à travailler au niveau de l'intérieur du pays et qui travaille en matière de fixation des dunes et de mise en défense au niveau pastoral. Et la production est regardée dans certaines forêts de huit wilayas, la réalisation des sites de restauration de Goméré, et surtout aussi la réalisation des activités agroforesterie et la réalisation de quatre pépinières au niveau de quatre wilayas, la production et la plantation de plusieurs plants d'espèces locales et plusieurs activités de reboisement. Donc, euh, réalisation de plusieurs activités génératrices de revenus, ça c'est dans le cadre des projets d'IMS aussi. Donc, dans le cadre maintenant de la lutte contre les feux de brousse, comme vous le savez, chaque année nous menons... Des campagnes de sensibilisation et de lutte contre le feu de brousse. Là, nous avons fait un total de 93 000 km linéaires. C'est-à-dire, quand on prend chaque année, on fait le cumul depuis 2009 jusqu'à présent. Donc, ça fait 93 000 km linéaires. Donc, soit 9 300 km linéaires en moyenne par an. Donc, nous avons mis en place 2 000 comités villageois qui s'occupent du suivi de, 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 de l'activité de, 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 de lutte contre le feu de brousse. Et dans le cadre de la lutte contre la désertification et de la production des infrastructures socio-économiques contre l'ensemblement et les activités de restauration des sols. Comme vous le savez, nous avons réalisé la centre verte de Maxot. Actuellement, mm -hmm. il y a les deux centres vertes euh, de Shingiti et de Chami qui sont en cours de réalisation. Et il y a aussi Beklahuas qui est en cours de réalisation. Donc là, les activités de reboisement continuent. Mais le plus grand problème qui se pose, c'est surtout le problème de l'eau. Dans le cadre maintenant des travaux de protection du littoral. Comme vous le savez, le littoral mauritanien est un littoral qui est très long, 750 km linéaire environ. Et c'est un littoral qui est très fragile et qui subit aujourd'hui beaucoup de pressions, notamment l'habitat, la pêche, le tourisme, l'extraction pétrolière, minière. Donc il faut mette des actions pour éviter la pollution et surtout des zones côtières. Donc là, à travers le projet Waka, des efforts énormes ont été faits. Mais avant le projet Waka, il y avait deux autres projets, notamment le projet ACCVC adaptation au changement climatique des villes côtières, qui a exécuté des travaux. Donc en tout. Pour le moment, au niveau du littoral, il y a 18 brèches qui sont des brèches menaçantes. Et sur les 18 brèches, il y a 4 qui ont été déjà renforcées. Donc le projet continue à travailler et sur, ce, sur, sur le littoral. Et bien sûr, d'autres études ont été faites. Et des travaux sont en train d'être préparés pour essayer de répondre aussi à l'ensemble des défis qui se, nous, qui se posent à nous. Donc maintenant, pour ce qui est de l'assainissement de la ville de Nakhshot, comme vous le savez, le ministre de l'Environnement. En collaboration avec les autres secteurs, nous, nous sommes impliqués dans le cadre de, de l'assainissement de la ville de Marxot, surtout au niveau de la SOCOGMPS et au niveau de SEPRA. Maintenant, pour les perspectives, il y a un document qui a été présenté au Conseil des ministres le mois de mars septembre, qui concerne la stratégie euh, nationale pour l'environnement de Pandura pour euh, 2017 jusqu'à 2030, Donc, et son plan d'action quinquennal et qui vont être exécutés. Donc, les perspectives sont dans ce plan d'action et dans cette euh, stratégie nationale en matière de l'environnement et de points durables. Donc je ne veux pas vous donner tous les axes et parce que euh, les axes, la liste est très longue. Donc euh, euh, les axes principaux sont les le, le, le suivants. Axe stratégique 1, la gouvernance environnementale intégrée et adaptée aux différents défis. Axe stratégique 2, la gestion intégrée et durable des ressources naturelles et de la biodiversité terrestre, ce qu'on appelle l'environnement vert. Axe stratégique 3, la gestion durable de l'environnement marin et côtier, ce qu'on appelle l'environnement bleu. Et l'axe stratégique 4, le renforcement de la prévention, de la gestion des pollutions et des mesures anthropiques, environnement gris. Donc voilà les axes principaux. Il y a des sous-axes, mais la liste est trop longue. Donc voilà dans l'ensemble les éléments que j'avais vais vous donner et je vous remercie. Je vous remercie. كان عندكم برنامج ينقال له مكافحة التصحر في بداية العشرية الأخيرة قام به وكان مركز على مدينة نواكشوط في نفس الوقت اللي مدينة نواكشوط مهدد البحر اللي كان عنده كامل من التراب راد عنه وابتناو ديار نواكشوط ديار زينه وديار سينيكي واللي خالق من النفايات كامل ينكب من هون الى بيكا دي ست والمجموعه الحضرية وجهه نواك شوف حتى عليها القضيه قالوا عنها تعني البيئه وهي الله تراقبها انتم انتم اين انتم كوزاره من 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 هذا الموقف هذا هاي النفايات اللي تنكب واللي مؤثره على البيئه والبحر اللي عاد طلع على نواكشوف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين عبد الرحمن سدبات مدير موقع هلاريم أختينا نعرف منين الحق قضيه نحن شفنا الحمد لله هذا اللي نقص عن بغداد وعن لكسر مناطق اخرين كان البرنامج يعني عنده حد له يوفى نهائيا مثلا البؤر المائيه والله فم برنامج اخر كان مثلا ماشي على طول زمن والله عنده فتره زمنيه يوفى فيها شكرا صدرت مؤخرا عدة تقارير بشأن مخاطر تواجه الحياة البحرية في مياهنا الإقليمية منها تقرير يتعلق بانقراض نوع من السمك سمك السردين صادر من خبير كندي على ما أعتقد وأيضا شهد نفوق حيوانات بحرية واحد منها حيوان ضخم في الجنوب واحد في نواديبو اختار وبعض أرجع ذاك ل... لعمليات المسح الزلزالي اللي تعدل هذه الشركات اللي تنقب عن عن الغاز من كيف يمكننا ان نحافظ على ذروتنا السمكيه مع استغلال ثروة ذروت ذروتنا الغازيه السؤال الثاني يتعلق بقضية اهل الشامي اعتقد انكم على اطلاع بها اختار نعرف اللي عدلته في فييشنه. قضيه ازمه الشامي اعتقد عن الوزير على اطلاع بقضيه ازمه اهل الشامي مع مع الشركات اللي

Et beaucoup d'actions euh, ont été menées pour essayer de protéger la ville de noix contre l'ensablement et l'avancée de la désertification. Donc, euh, le cas de noix est connu. Vous savez que, effectivement, quand on parle de désertification et quand on parle de l'ensablement, aujourd'hui, beaucoup des infrastructures socio-économiques sont menacées. Il n'y a pas que noix seulement, même à l'intérieur du pays. Il y a des villes et des villages qui sont menacés, et des infrastructures comme, par exemple, les infrastructures administratives, les ports, les aéroports. Euh, les routes qui sont menacées. Maintenant, pour Snakshot, effectivement, beaucoup d'activités ont été menées depuis des années. Donc, récemment, vous vous rappelez eh, de la campagne qui a été menée eh, par, par, par le gouvernement pour essayer de protéger la ville de Snakshot contre l'avancée de la désertification et les dunes de sable à travers le programme spécial de protection de la ville de Snakshot contre l'ensablement. Donc, on appelle le PSPVN. Donc, ce programme a été initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et a donné des résultats. Parce que 2 000 hectares, 2000 hectares ont été reboisés. Et le taux de réussite a été de 64 à 70% en moyenne. Selon les blocs, parce qu'il y a des blocs qui sont dans des niveaux de dépression, d'autres blocs qui sont vraiment faciles à planter. Donc je dirais que par rapport à cette activité, nous avons enregistré des résultats qui sont positifs. Donc la ville étant entre. La mer et le continental. Donc, euh, vous savez que la ville est au bas de la, de la mer. C'est ce que les études ont démontré. Donc, il faut aussi la protéger contre les incursions marines. Donc, nous sommes entre les deux phénomènes. Donc, pour lutter contre ça, il faut effectivement euh, agir et agir vite. Donc, agir euh, pour essayer de voir au niveau des anthropi activités anthropiques, c'est-à-dire des activités qui mènent, qui mènent les hommes, notamment l'exploitation pétrolière l'exploitation gazière, l'exploitation des carrières et surtout l'utilisation du coron comme moyen d'exploitation des de carrières. Vous savez, dans le temps, la ville de North Shore a été construite à travers l'extraction du sable au niveau du littoral. Donc ça a dégradé carrément le niveau du littoral. Donc nous avons fait une étude là-dessus. Nous, nous sommes rendus compte qu'effectivement, au niveau du littoral, euh, il y a des brèches qui sont menaçantes. Il y a à peu près de 18 brèches qui ont été arrêtées. Et sur les 18 brèches, il y a aujourd'hui les 4 les plus menaçantes ont été... Et renforcé à travers le projet que nous avons eu avec les partenaires techniques et financiers. Donc, maintenant, les autres brèches, il y a des travaux qui sont en cours. Nous avons mené des activités de plantation aussi au niveau littoral. Donc, euh, je pense que sur cet aspect, le gouvernement a fait des efforts énormes, il faut le reconnaître. Maintenant, par rapport euh, euh, aux ordures, Donc, euh, la question des ordures me revient très souvent. Je ne peux pas vous dire que je ne suis pas concerné en tant que ministre de l'Environnement. Je crois que nous devons veiller à ce que les populations euh, puissent vivre dans un climat sain, dans un environnement sain et propre. Donc, euh, mais j'aimerais quand même attirer votre attention pour vous dire que cette mission d'enlèvement des ordures dans les milieux urbains, je dis bien les ordures ménagères, ce n'est pas la mission du ministère de l'Environnement, c'était confié à la Comité urbaine. Mais néanmoins, nous suivons l'activité avec la Comité urbaine qui existait avant, et on faisait des rapports qu'on envoie à qui le doit pour attirer l'attention des uns et des autres quand on voit des dépôts, des quantités importantes, des ordures. Donc euh, là, notre mission euh, s'arrête à ça, attirer l'attention des, des autorités et des qui les droit pour dire que bon, voilà, il faut qu'on mène des actions euh, d'allèvement de ces ordures, surtout avant l'arrivée des pluies. Donc sinon, c'est des ordures qui peuvent causer beaucoup de maladies et de pollution. Maintenant, pour ce qui est des eaux ou bien des inondations au niveau de la ville de Maxwell, je n'est pas de la deuxième question. Donc, ils ont parlé un peu de l'assainissement de la ville de Pour bon, Cette question aussi me concerne, en tant que ministre de l'Environnement et en tant que membre du gouvernement, nous sommes solidaires. Nous devons travailler ensemble eh, par rapport à ces activités. Et là, vous savez que le ministère s'est bien impliqué dans le cadre de l'assainissement de la ville de Nouakchott durant les dé, d, de, 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 de différentes années. Et là encore, effectivement, il y a des études qui ont été menées par le département, à travers des bureaux d'études qui sont là, en Mauritanie, et il y a d'autres... Euh, euh, personnes aussi extérieures, consultants qui ont mené des études, notamment à l'université de Strasbourg, une plutôt l'université une université qui est en Allemagne, avec laquelle nous avons fait des études et qui a montré effectivement les menaces euh, que connaissent la ville de Noarkot. Il y a aussi euh, les, les experts des Pays-Bas qui sont venus, qui ont mené aussi une mission. Donc nous avons les données et, de ces études là et qui montrent que effectivement la ville de Noarkot, comme vous le savez et elle est installée sur une nappe phréatique, qu'on appelle lave Et Cette nappe, bien sûr, à un moment donné, a connu une remontée des eaux. Et pourquoi C'est dû au fait que cette nappe communique d'abord avec la mer, ça c'est dans. Et deuxièmement, vous savez que la consommation d'eau de la ville de Nakshot a été multipliée par quatre, sinon même 5, depuis qu'il y a eu l'alimentation de la ville à travers le fleuve. Donc il y a des quartiers qui n'avaient pas d'eau, mais aujourd'hui qui ont de l'eau. Donc euh, <laughs> c'est des efforts qui sont faits par le gouvernement mais qui ont causé d'autres conséquences, et le gouvernement assure toujours à trouver des solutions par rapport à la situation-là. Donc à cela s'ajoute aussi les eaux de pluie, parce que la ville de Noxo, depuis un certain temps, connaît maintenant euh, des quantités importantes de pluie, contrairement aux années passées, des années 70-80. Euh, Noxo, on peut faire deux ans, trois ans, il n'y a pas de pluie. Bon, maintenant, euh, on a arrêté des quantités de pluie qui sont importantes, et qui créent des eaux de surface. Donc, et surtout dans des zones euh, dépressionnaires. Bon, mais vous savez que le gouvernement a mené des actions importantes en matière d'assainissement. Vous êtes au courant des stations de pompage qui ont été installées un peu partout et qui évacuent aujourd'hui, qui rabattent la nappe euh, vers la mer. Donc c'est un système qui a permis bien sûr de baisser les eaux au niveau de certaines zones, comme par exemple euh, ce que vous venez de dire tout de suite sur le régime Dar euh, Darnaïm, même au niveau de, 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 de Trasena, un peu partout. Donc tout le monde sait qu'aujourd'hui, et les eaux euh, qui stagnaient ont diminué, et surtout en période de, de, de pluie. Donc il y a aussi un système qui a été mis en place pour pomper, qui va être mis en place qui va pomper les eaux de, de pluie et qui, qui, qui stagnent sur les, les routes. Donc voilà ce que j'avais à donner par rapport à, à, à cette question. Mais la troisième question, vous avez parlé d'un expert euh, canadien et, qui a fait un rapport donc, là, j'attire votre attention que c'est un, un domaine qui est très sensible parce que notre pays veut exploiter, comme tous les pays du monde, ses matières premières. Et il n'en est pas question que les gens essaient de diffamer. Et nous sommes un pays, nous sommes libres. Nous devons tout faire pour créer des activités économiques qui peuvent nous permettre, en quelque sorte, d'améliorer les conditions de vie des populations. Et je vous dis, en toute sérité, tout développement, s'il a un effet négatif, sur les milieux dans lesquels il s'est fait, je pense que ce n'est pas, pas du tout un développement. Donc le gouvernement a pris l'ensemble des mesures qu'il faut pour que cette exploitation de pétrole ou bien de gaz n'affecte pas les milieux marins et aussi euh, les humains. Donc euh, j'ai vu l'étude d'impact environnemental qui a été faite. C'est un document de plus de 3000 pages. Et c'est pour vous dire que le gouvernement accorde beaucoup d'importance à cette étude. Donc l'étude a été acceptée par la Mauritanie, acceptée par le Sénégal. Donc je pense qu'au niveau national, nous ne devons pas nous faire euh, avoir par des experts qui essaient d'envoyer de, 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 des informations euh, qui partent à l'encontre de l'État de la Mauritanie. Donc c'est une question qui est très sensible. Mais j'aimerais vous dire que le gouvernement a pris l'ensemble des dispositions qu'il faut pour que cette activité puisse se passer dans de bonnes conditions. Et ce n'est pas notre première fois de mener des activités comme ça. C'est comme l'activité minière. La Mauritanie, depuis les années 70, nous avons mener des activités minières à travers euh, la CENIM, depuis le temps de MiFerma. Mais aujourd'hui, au niveau de la sous-région, je pense que si nous ne sommes pas un bon exemple, nous ne sommes pas un mauvais exemple. Parce qu'il n'y a pas eu d'accident majeur comme le cas de Tchernobyl, qui a eu lieu au niveau de, de la Russie, qui est un grand pays, et d'autres pays comme, je ne sais pas, le Japon et ailleurs. La Mauritanie, jusqu'à présent, n'a pas connu, euh, en quelque sorte, un accident majeur. C'est vrai, il y a des incidents, des incidents mineurs. Donc, toute, toute activité a ses avantages et ses inconvénients. Mais il faut qu'on compare, qu'on essaie de voir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Et je crois que le gouvernement est mieux préparé pour ça. Et pour ça, il faut beaucoup, beaucoup de, 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 de choses, notamment le renforcement de capacités, les ressources humaines, les moyens technologiques, les moyens d'information, les moyens de, 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 de système de reporting. Donc, euh, franchement dit, je pense que nous avons fait beaucoup d'efforts dans le domaine. Et surtout que maintenant, on implique dans le cadre des études d'impact environnemental, on mène ce qu'on appelle les enquêtes publiques. Et ce qui permet aux uns et aux autres de poser l'ensemble des soucis qui peuvent être posés. Donc, euh, dans le même sens, d'abord, le cas de Chamie. Donc, l'activité orifère, surtout artisanale, est une activité qui est récente à Mauritanie. C'est vrai, les gens en parlent, les substances sont utilisées. Mais nous demandons toujours, nous continuons à demander et à faire la pression pour que ces substances soient utilisées de façon rationnelle et de façon normale pour ne pas nuire aux, aux populations et surtout à la faune et à la flore. Il n'y a pas que les, les, les populations. Donc, ce côté, je dirais que c'est vrai, et les gens en parlent, mais le, le département et le gouvernement. fait de son mieux pour que vraiment cette activité n'affecte pas les, les, les populations. Donc, mais ce que vous devez comprendre, c'est que la Mauritanie est comme tous les pays du monde nous sommes obligés d'exploiter nos ressources naturelles, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit l'or, que ce soit le fer, que ce soit eh, le bois. Donc euh, nous dépendons beaucoup de l'exploitation de nos ressources naturelles. Euh, L'essentiel est que le gouvernement doit tout faire à travers la mission qui est confiée au ministère de l'Environnement et des différents départements ministériels, de tout faire pour gérer, je dirais, de façon rationnelle, rationnelle et durable l'ensemble des ressources naturelles. بلاصه جفاء بودير اجور ميرسي تفضلوا سيدي مع الوزير مع الوزير قمتم قبل اسابيع برحله قادتكم لبعض الدول العربيه لكسب الدعم لمرشح بلادنا لاداره الاي سي الراي العام يسال عن فحوى تلك الرحله ونتائجها وهل هي مفرحه السؤال الثاني ما عندك مكتون صور ما عطي <applause> لقطوا تعالها شوي حيلكم اللي جابوته اي أيوة والله مع م. الوزير المعارضة تطالب بنصف نصف لجنة مستقلة الانتخابات وزير الداخلية أعطاها أربعة هم المتوفر المعلومات أنهم يريدون سبعة ثمانية أنتم كناطق رسمي باسم الحكومة هل في أمل ان يحدث مناصفه بينكم كنظام وبين المعارضه كمعارضه في محاصصه فعليه في 50% 50% من لجنه مستقله الانتخابات الثاني هل جد جديد في موضوع جدول الانتخابات اكدتم لنا في الاسبوع الماضي انه لا جديد الصالونات يدور فيها انه فيه جديد هل جد جديد ام لا سؤال آخر اكدتم لنا في الاسبوع الماضي ان ان انكم كحكومه لم تسحبوا مذكره اعتقال في حق ابو من الامس يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه ان الرجل يجمع مستشارين لتزكيته، هل جد الموضوع في القضيه ام لا؟ اخيرا معي الوزيره الجاليه الموريتانيه في السنغال تشكو من عدم تمكينها من من مزاوله حق مصون وهو حق المشاركه في التصويت، خصوصا وان توجد جاليه نوعيه كما ونوعا، في المقابل الجاليه في قنابيسو والجاليه في قام به في ساحل العاج متمكنه من هذا الحق يطالبون بتمكينهم من هذا الحق بالنسبه لسؤال حول لقاء السؤال الاول قلت اني احيلك الى الاجابه اللي عدلتها عنه الاسبوع الماضي بامكانكم الرجوع لها وبالنسبه للسؤال الاخر حول وزير معالي وزير الداخلية بتوجيهات مخامة رئيس الجمهورية يرعى مجرد لقاء نقاش بين بعض أحزاب المعارضة وبعض أحزاب الأغلبية من الوان الطيف السياسي مع تحفظ على العبارتين بهم إحنا ما نعرف ذلك دي معارضة دي أغلبية دي انتخابات الرئاسية والمطروح مرشحين للرئاسيات تالي على كل حال فهم نقاش بين كل الاحزاب السياسيه بمختلف انتماءاتها وزير الداخليه والافات اكبر شكل نهائي وكيف قلت لكم المره الماضيه من يقبل شكل نهائي لكن لله يخلق منه الدور يوصلكم مازال مرحله العرض وقبول والرفض ومده تناقش ما راه لي مولانا انه فات عاد في شيء قبال يهم الراي العام الين يفوت يوصل فيه المهم انه الاطراف تتجه الى تغيير قانون آآ قانون آآ اللجنه المستقله للانتخابات بما يسمح بزياده عدد اعضاء لجنه تسيير اللجنه بكم ذاك 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 لا يعني يتوافقوا على شيء ويمشوا شغل البرلمان وصارت قضيه البرلمان يقدر يعود بعد نلحق مرحله اتفاق بينهم وقدوا نقول لكم توافقوا على شيء وعلاقة الحكومة بها لا الرعاية بالهيه معه ما, ما هي هي ما هي تحدد ما هي تحدد ذاك اللجنة المستقلة للانتخابات معنية بها الأحزاب السياسية والطيف السياسي بشكل عام أغلبية ومعارضة بالنسبة ل أجل الانتخابات ماني عالم إلى حد الساعة بأنها فات قاع نعلن أن يطرا فيها تغيير الخالق ذلك لا لأجل القانون الصرف اللي هو خمسة وأربعين يوم على الاكثر 30 يوم على الاقل من تاريخ انتهاء المأمورية مأمورية رئيس الجمهورية الحالي وهذا الاجل يحدده القانون و هو بين ليدين الله ما فات ما فات ينفيه ولا يثبته. ما لا يثبت ما فات عاد باطل لانه لا الاجل القانوني هو بين ونية ونية تجديد الانتخابات اللي سوى عنها احد المره الماضيه نفيت هنا في مطلق وقلت ان نهائيا ما نعلن الانتخابات تؤجر بدقيقه واحده هذيك الاجال اللي يحدد لها القانون تعدل فيها باذن الله تعالى قالك شي يوم قلتوه اني قلت الاسبوع الماضي ما عندي عنكم ولا دقوا حتى انا ما قلت الاسبوع الماضي في بطاقه متابعه دوليه التغات ولا ما التغات قلت القضاء تعني القضاء واني ما عندي عنها عن خبر اني لعات إذا عاد إذا عاد القضاء قد أصدر بطاقة من النوع أخبره هو في كان زالت خارج ولا ما خارجة الحكومة ما صادره من عندها ولا يجي المتابعة في هذا المجال وبالتالي اللي حركوا الدعوة العمومية للنيابة هي النيابة العامة ولا القضاء وأصدروا بطاقات من ذاك النوع أخبرهم هو في كان زالت خارج ولا ما خارجة إحنا بعد ما كحكومة ما ما معنيين بها نهائيا معه مسؤولين الله عن 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 يطلب منا يد المساعدة في تنفيذ آخر اللي نمدوها نعطى أخبار بطاقاته أبرهم وفيه، آه أخبار الجالية في السنغال موضوع مطروح ومهم آه يقير البعض لا يدرك أن الجالية في السنغال ما هي جالية ثابتة وما فهمشي جالية متحركة متنقلة آه بين هون والسنغال. وبالتالي جهات المعنية بالموضوع دائما ينطرح عليها الموضوع تقول أنها ما هي قدام ساكنة ثابتة تقد بدل العكس في ساحل العاج مثلا فم ثابتة تقدر ما يناهز خمسين ألف من الموريتانيين المقيمين وبالتالي هذا تقد ذلك نفس الشيء في السعودية في فرنسا وبعض الدول بينما في الدول المحاذية الحدودية معانا. جاليات فيها جاليات متحركة ما تقدر تضبطها وبالتالي منين تمشي لها من تعود دايت سجلة فيها مكاتب لا تفت لا تعود دائما عندك إشكالية تنقلها به دي دي دارك وقت التسجيل ما بالضرورة موجود فهم وقت وعامل القرب أيضا إنهم اللي ما فيها اللي ما قريب منه مكتب انتخابي على الحدود قاعد يسجل فيه وقاعد يزرق فيه بدل ما أنت لا متكلفه يا آه شكرا جزيلا مع الوزير آه هل توجد لدى وزارة الصناعة والتقليدية والعلاقات مع البرلمان خطة لكتاب مفتشي مكتبات ومحافظي متاحف وثائقيين وهل هناك نية والله خطة لكتاب آه مختصين في مجال الأرشيف آه هو السؤال اللي يضالي عنه مجهود أخباره لي هم استشكال شوي معالي الوزير سابق تمشي من هون سابق يمشي الوزير المعني ب بارك نصولان دي بندر دي نختاروا شوي معالي الوزير هاي التقبيل نختاروا نقولها له يحدد الساكنة الحدود حدود بارك ساكنك المستوى في بيرت في, في 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 بحجره وفي الزيره شاكل من قالوا بارك ما حدوده ما عرفوا منين كانت تبدا من عند صاله شيال الى دون بدن مو مخبر فيه إن احنا مات لينا تخلصنا بقرة <applause> معالي الوزير ما نكردت ما تنجبره ولا تلي طيرة قد يخبطها ما تياهي ما ذاك اللي اللي حتى حتى الآن هم بقرات تكون بكردة من بارك اللي عن داخل منطقة ما يالله يدخل فيها نختار ذلك مازال مع الوزير هنا يحدد الحدود اللي, اللي اللي عند بارك راهم الساكنه يقول بشكل واضح روفته فاتوا اخذوه الاسبوع الماضي كبيان العنهم ألعن حتى ذيك التراب اللي اصلا ما معطيه للبارك عن نقبط منهم خصوصا زير بالتحديد بالتحديد يحدد بارك بشكل واضح هنا تيهي طريق الحدود اللي عند بارك ناصر دي جولين روي لك شاكي منها الفوقاني من, من شاكاو نختاروا اما دي كاميرا ما يمشي ما يجاوب بشكل خاطئ. نعرف ثم بعد بقاركم اختار هو على معروف انتم من فرقة انتم مالكم على حريثة بقاركم قاع الله يبعد حتى aquí. بالنسبة للاكتتاب في الارشيف فعلا الوزاره كامله بمكوناتها كامله مشات حاجياتها في الميدان وطلبت من قط وجهنا طلب ما يتعلق بالاكتتاب المرة الماضية واعتقد انه من طرف الوزارة الاولى وجه طلب القطاعات كاملة لتحديد حاجياتها على ضوء الاكتتاب اللي هيخلق والوزاره مشات حاجياتها في ذاك الميدان لا في الميادين كامله ومكوناتهم كاملة اعتقد ان تمين العام هون يقدر لا يعطيكم اخبار ذاك اللي مشاو ذاك الوزاره الاولى واعتقد انهم ذاك اللي عدهم محتاجين له كامل قالوا ايش لا شبره من ضمن سياق المسابقه ايش ما لا تقييمه تقييم اولوياته بيدي وهم ترتيب اولويات على المستوى الوطني ما فر لاي قطاع حدد حاجيات معينه تلبى تلقائيا احيانا المواصفات المطلوبه تقعد تعود ما هي موجوده موجود شيء منها هي تعود اولويات تنعطى لقطاعات اخرى بهذه تعود الحاجه الحاجه الاكتتاب فيها اكثر اذا آه كامل ينشاف غير بعد قطعا القطاع آه عبر عن ذاك اللي عنده من الاحتياجات في هذا الميدان ويدور ان شاء الله تنقبل بعين الاعتبار ان شاء الله انا المهتمين لا تعود الى الناس اللي

فيه مجموعة من القناصل الشرفيين كانوا خاصة في افريقيا في السنغال وفي افريقيا كاع كامل كلهم كانوا مكلف مكلف الجالية المقيمة فهم الجالية فعلا متنقلة غير فما مقيمة مكلف طبعا هو ناطقها الرسمي مجموعة من القناصل الشرفيين وقالوا على وزارة الخارجية على انها ما تعاملت معاهم بالشكل المطلوب والقنصلية والسفارة هاي المجموعة مطارحة مشكلتها موجودة ها؟ شكل المطلوب شنو؟ لأن ذاك المطالب اللي عندهم لا بد لها من وقت تعود ما عندهم سفارات قاعد يعني يطرحوا عليها معروفة ما فهم غير لا من يطرحوا عليها قالوا لهم ما تعاملت معهم إيه لا كامل لا يعامل معهم ذاك ما هو دقيق ما فهم مطالب لأي جالية في بلاده من الجالية الموريتانية م. في بلاده ما فهم السفارات تعامل معها وتقبل ذاك اللي ينطرح عليها بعين الاعتبار ذاك منه اللي ممكن يعدل ونحن هون كحكومه في خدمه جارياتنا وفي خدمه مغتربينا كاملين ولا فهم ما فهم منين من يعود فهم شيء محدد ان شاء فيك تجاوب عليه ومنين يعود ذيك العبارات الانشائيه ما وعامل معها بالمستوى المطلوب والله ما قال فيك هو يعود شنو هو المستوى المطلوب شنو؟ الاخباط أه مو يعرف التعبير عيا تعود ما هي يا غير بعد ما فهم اي مطلب للافراد الجاليه في اي بلده ما عنده اذان صاغيه ومصنز ومستعدين لتلبيته في حدود الامكانيات المتاحه ان شاء الله. ان <applause> شاء الله واقع ذا واقع ما فهم لا من تعود فهم السفاره قافله باب دون الجادية ولا دون مواطنيه مفتوحه فما لهم هم من عودهم شي هو يلا يثبتوا تو ان فم نفهم سفاره معي مصنتارهم ولا ما يفتح حالهم ابوابه تو يعالج الموضوع ولا يتواسوا ولا هي ولا تصح الى حد الساعه ما 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 ماني بعد بها حد علمي ما هي خارجه غير بعد من يتخلق مولي لا يعاملوا معها بصرامه والمؤكد ان السفارات انفتحت فهم في خدمه العلاقات مع ذيك الدول مفتوحة فيها غير في نفس الوقت مولي خدمه مغتربين مواطنين الموجودين هم محيط اختصاصه المامي والجدون وكالة رؤية بوست وقعت الحكومة في 13 مارس الماضي مع بروتوكول اتفاق مع ثماني نقابات للصحة يقضي بزيادة المعاشات ودفع 50% من هذه الزيادة في إبريل الحالي ومن المعروف أن الرواتب تذهب الميزانية في منتصف الشهر ونحن حكما أصبحنا في منتصف الشهر ما مصير هذا الاتفاق والسؤال الثاني يتعلق بالشركة الموريتانية للطيران الشركة الموريتانية للطيران معروف أن غالبية طائراتها اقتنية من المصنع الجديدة يعني وللمرة الثانية يتم إنزال رئيس الجمهورية من على متن الطائرة بسبب خلل أولها عند ذهابه لحضور مراسم تنصيب الرئيس المالي بكر كيتا وآخرها منذ يومين ألغيت رحلته ما هي المشاكل التي تواجه هذه الطائرات الحديثة والسؤال الأخير ما هو تعليق الحكومة على الأحداث في السودان شكرا جزيلا شكرا جزيلا السؤال الأول أكيد لكن التزامات الحكومة وشي موضوع اتفاق يدور يعدل بين الله تعالى هذه ما قبلت إياك يكون يتفى بها ما, قبلت إياك غير بريدة هي مزاج هاتفة <applause> هي هذا هاتفة ما معجل شيء عني هو بريد مع بالنسبة لقادة اللي ذكرتوا عن ذكرتوا عن آه شركة الطيران أولا شركة الطيران كيف تلكم المرة الماضية شركة وطنية وفي حد ذاتها هي انجاز في حد ذاتها هي انجاز بكم اللي تعرفوا الوضعيه اللي كنا فيها انا كانت عندنا شركه طيران كانت هون شركه جايبينها جانب أه هم اللي مارسوا هون أه العمليه وهو قطاع سيادي تم افلاس الخطوط الجويه الموريتانيه وعدلت شركه اخرى مع اجانب ياك تعود تعدل تعدل تمارس الطيران هون أه في موريتانيا وقرر فخامة رئيس الجمهورية أنه هذا القطاع يعتبر قطاع سيادي وأنه لازم يتم إنشاء الشركة وتم إنشاء الشركة واليوم عنده أسطول قياسي ما قد توصلت له الخطوط الجوية الموريتانية في تاريخها من حيث عدد الطائرات ولا من حيث نوعيتها وطبيعي قد تعرض لبعض المشاكل الفنية ويتعرض لها كبريات الشركات وبأخطار أكثر من هذا وعلينا أن ننطر عليها الباسة ما نعود نحن هم ولينا. نشنعوا شي قاع شنيع احراي شي ما هو كبار خالد فني يخلق في الطائره الدروش تعدل ما هي ما تقدر تطير ما هو تعدل اجراءات فنيه وتبقى بيد الادارات الفنيه ولا هي ولا هي كبار مقدر. احنا كاملين يلا نشتغلوا للانجاح تجربه شركه الطيران الموريتانيه والتثمين اللي يعدل فيها من العمل والتثمين اللي اشتريت من الطائرات ومنين نشوفوها اليوم وهي تمارس عملها تعرفون صحيح التجربه لا بد من بعض المشاكل وبعض العثرات غير هذا بعد ما هو ما هو مبرر ان تو نمرقوا منها الاصبع ونعدلوها انها المعدل شيء ما قط خلق وشنيع به اللي خالقه طايره كانت يلا تطير ما طارت لاسباب فنيه يعود هذا كان جريمه نكره وفي نفس الوقت هو اللي يخلق وعادي وطيران كامل اه كل مرات نقضوا من, من الطائرات في ركبنا فيها ونقال لنا الاسباب خلال فني وتعادي ومنين نخلص الاعلام ذيك الدول هو ما شد اخبار ذيك الدول اذكرها ولا هو اليوم اذا من من واحده من الدول ما نسميها معدلتها شركه طيران معروفه كبيره ومعدلنها وفتنا طلعنا وقضونا وقالوا لنا نقضونهم ولغينا الرحله واضطرينا نقضوا رحله اخرى وصح ما قد خرصت إعلام ذيك الدولة كانوا مش أخبار ذي الرواية ذي ما شاء تحدى أخبارها ولا هي مهمة أساميها هي بهم اللي ما همهم يتوهشوا يشودوا شركتهم اللي تحمل اسمهم على ملد شيء عادي يتوه يخرج فني ولا ولا حسيت إنها موضوع مسائل وبالتالي الموضوع قاعد لا لا يخل في طاره الطبيعي السودان نتفهم تطلعات الشعب السوداني ونعتبره نعتبره شأن داخلي سوداني بحول الله تعالى أراجي أنه يتجاوز أزمته ويتغلب عليها بالحوار بين السودانيين وبالتفاهم بين السودانيين وهما قادرين على ذلك ولديهم تجربة كبيرة في هذا وشعب واعي وشقيق وصديق كامل تربطنا معه ياسر من عوامل الجيرة والقرباء كامل ونتمنى أنه يتجاوز الأزمة له بسلام وبما يحفظ أمنه واستقراره شكرا سيد الوزير سؤال في قضية السودان سمعنا عن الرئيس البشير في بعض من الأخبار عنه لي يدور يجي الموريتان شنو هو جواب الحكومة باطل على هذا لا حانيكم تأكدوا من ذات كانوا هذا حتى تقع شكرا جزيلا <applause> Shingitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau Wi-Fi mobile pour partager vos... Votre...